En ce début d'après-midi, je vous transmets une belle nouvelle qui nous remplit le cœur de joie. Le Seigneur, le pape François, qui va de part de le monde, semant paix et espérance, visitera notre pays, Madagascar. Le pape François viendra donc à Madagascar pour y effectuer une visite pastorale du 6 au 8 septembre. Il arrivera à Ivat l'après-midi du 6 septembre. Il sera accueilli à son arrivée par le président de la République et par son épouse, et reçu avec tous les honneurs dus à son rang en tant que chef d'État du Vatican et en tant que chef de l'Église catholique. En ce qui concerne le programme de cette visite, disons un mot sans entrer dans les détails. Le pape rendra une visite de courtoisie au président de la République. Il rencontrera les autorités, les membres du corps diplomatique, ainsi que les représentants des organismes internationaux et les membres de la société civile. Et comme il s'agit d'une visite pastorale, il rencontrera bien évidemment les évêques, les prêtres, les religieuses, les religieux, les jeunes, les religieuses des communautés et des monastères et les jeunes de la communauté d'Akamasu. Et il ne manquera pas de saluer les chefs d'église appartenant au Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar. Le point culminant de la visite sera la célébration de la messe du dimanche à laquelle participeront les cardinaux, les évêques et plusieurs centaines de prêtres venant des quatre coins de l'île et au cours de laquelle il rencontrera les chrétiens catholiques de la grande île. Yeah.